au fond tu voudrais être libre. Quand la joie te touche. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Vivre libre au-delà des sentiers battus. Est-ce que vous vous sentez libre, vous qui regardez cette émission, si vous la regardez? Est-ce que vous avez vu des gens autour de vous qui se sentent libres? Ou alors cette liberté n'est-elle qu'une promesse? Quelque chose qu'on a donné comme un bonbon qu'on aurait si on fait ceci ou cela? Est-ce que cette liberté, vous l'avez goûtée? Quel goût est-ce qu'elle a? Est-ce que cette liberté, elle peut être détruite, anéantie, négociée, monnayée, privée par quelqu'un? Ou alors est-ce que c'est une liberté qui est immuable, constante, complètement au-delà de tout ce qui pourrait être pris ou donné par quelqu'un ou marchandé? Allons en parler. Bonjour Guy. Bonjour Farzad. Nous sommes dans une société, un monde, dans lequel on se donne énormément de statuts, on se donne des choses qui nous disent, ben voilà, tu vivras libre si tu as ceci, si tu as cela. Certains même vont jusqu'à dire, par exemple, à des femmes que les femmes n'auraient pas la capacité d'avoir de l'énergie yang, de l'énergie masculine, il faudrait qu'elles aillent en chercher chez les hommes, qui seraient pourvoyeurs d'énergie, en fait. Et qu'une fois qu'elles ont cette énergie, elles pourraient être libres un jour. Et les gens qui commencent à croire à ça, commencent à s'engager dans des trucs incroyables. Et puis, ils appellent ça la sexualité sacrée, ils appellent ça des rituels, ils appellent ça quelque chose pour vivre un peu plus libre que d'autres. En plus, ben, comme ça ne se fait pas dans la société trop, comme ce n'est pas trop admis, ben, on s'est dit, mais c'est peut-être ça la vérité. Moi, j'aimerais voir avec toi, est-ce que tu as déjà expérimenté des trucs comme ça? Est-ce que dans ton vécu, dans ton senti, pour toi, c'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une supercherie? Tu sais, dans mon vécu, j'ai côtoyé beaucoup de religions, dont ce que tu viens de dire là. C'est une religion, ça. En Inde, il y a des groupes de gens qui croient en ça. Mm. Et ils dominent la femme par ça. La femme, elle est soumise à ça. Mm. C'est une soumission. Donc, tout ce qui est, pour moi, à mon sens, qu'on te demande de faire pour pouvoir être ce que tu dois être, c'est un leurre. On n'a pas besoin de faire pour être. On est déjà ce qu'on est, et c'est parfait. Tu n'as pas besoin de devenir. Devenir, ça veut dire, il te faut du temps. Il te faut des tracas pour pouvoir arriver à ce que tu aimerais. Mm. C'est une tracasserie. Comment je vais faire pour trouver un homme, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Mm. Ou un homme, trouver une femme aussi, parce qu'il y a d'autres religions, d'autres concepts de vie qui fait que les gens, ils sont friands de toute chose qui puisse leur donner le nirvana. C'est-à-dire que les quêtes de liberté, de bonheur, dépendraient des concepts de vie. Bien sûr. Que nous avons admis, en fait. Bien sûr, on a installé des choses que tout le monde est devenu friand parce qu'on leur a fait croire. Si on a un concept de vie basé sur l'argent, avoir plus d'argent rendrait plus libre. Exactement. Si on a un concept de vie basé sur le sexe, oui. Ben avoir plus de sexe, on serait plus libre. En tout cas, on serait plus libre de se sentir bien. Oui, il y a un mieux-être. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Selon le concept de vie, il y a une quête. Exactement. Mais donc, comment savoir si cette quête va pas nous malmener? Parce que bon, ben, il y a des quêtes, elles mènent dans la fosse au serpent, quoi. Alors, tu as énuméré beaucoup de quêtes là, et je crois que tu vois dans tout ce que tu as dit, l'essentiel est dit. Qu'il n'y a rien à l'extérieur de ta peau. Il n'y a aucune quête que tu puisses faire. Tu peux lire tous les livres du monde, tu peux rencontrer tous les gourous de la planète, tu peux lire tous les livres sacrés de la planète. Si tu n'as pas découvert qui tu es, alors tout ça, ce sont des leurres de ce que tu es. Et tu vas chercher à l'extérieur de ta peau pour comprendre ce qui se passe dedans. Moi, je dis, oublie tout ça. Mm-hmm. Ne va jamais là-dedans.
mais va directement à la source. En toi. En toi. Et c'est là que ça se passe. C'est pas dans une religion, c'est pas dans un groupe, c'est pas parce qu'un gourou t'a dit ça, ça ou ça, parce, ou ton père, ou le psy. Mm. Tout se passe en soi. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui se passe en soi. Qui est... Je ne vois pas comment quelqu'un peut venir te dire qui tu es. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Quand tu te promets, quand quelqu'un te promet de te dire que tous tes problèmes seront résolus parce que je sais, moi, j'ai la réponse, il devient dangereux, ce gars-là. Ouais, mais en plus, il a l'air crédible parce qu'il montre qu'il est heureux. C'est-à-dire qu'il te dit, toi, t'es pas heureux. Oui. Moi, je suis heureux. Si tu veux être heureux comme moi, ben, va falloir faire comme j'ai fait, moi. Oui. Mais lui, quand il rentre chez lui, il met la tête sur l'oreiller. Quelle histoire que j'ai raconté à ce gars-là. Et j'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des problèmes avec mes enfants, il me manque de l'argent. Il a que des problèmes dans la tête, ce gars-là. Tu comprends? Mais après, tu sais, on peut tous dire à tout le monde, je suis heureux. Il y a beaucoup de gens qui le font, d'ailleurs. Tu sais, moi, sur cette planète-là, je rencontre beaucoup de gens tous les jours. Moi, je suis heureux. Mais ils ne savent pas, tout de suite après, une demi-heure après, ils rentrent chez eux, ils ont des problèmes avec ceci, ils ont des problèmes avec ça, et bon, la mine baisse. Ouais. Donc il n'y a plus de ce bonheur qu'ils te proclament avoir, n'existe pas. Mais il ne montre pas ça. C'est-à-dire bien sûr la mine qu'il... baisse chez lui, mais en public, il se montre jovial, clair. Voilà. Ouais, ça m'a rappelé un thérapeute chez qui j'étais, une nuit, et... c'était quelqu'un qui montrait beaucoup de paix, beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour à l'extérieur. Mais cette nuit-là où j'étais là, pendant le repas, où ils avaient préparé des saucisses, des choses comme ça, moi je ne mange pas de viande. Mais pour moi c'était assez agressif déjà de manger de la viande. Mais cette même personne qui disait « je suis heureux, je souris, j'ai la paix, j'ai l'amour et je partage, etc. » Elle a commencé à regarder des films extrêmement violent. Moi, juste à entendre le son, c'était très difficile. C'était des tortures, c'était des gens qui se faisaient torturer et tuer, etc. Je me suis dit, mais comment quelqu'un qui est heureux, en paix, qui a de l'amour, qui connaît la sagesse ancestrale, etc., pourrait faire ça? Et du coup, j'en suis venu à observer avec beaucoup d'attention partout ailleurs où j'avais vu des figures de bonheur mais qui n'en était pas en vérité. Comme par exemple, je ne sais pas, celui qui a été répu de pouvoir, que ça fait des années qu'il est au pouvoir, et on dirait que le pouvoir l'a satisfait en fait. Tu vois qu'il est heureux. Tu le vois à la télé, il est heureux, à la radio, il sourit, en face de ses électeurs, il est bien, etc. Homme ou femme. Mais au fond, il y a ce malheur quand même. Et moi, au début, j'y croyais pas à ça. C'est-à-dire, je me disais, c'est pas possible. La personne est telle qu'elle se présente devant moi. Alors que c'était faux. La personne n'était juste que ce qu'elle voulait présenter pour pouvoir faire perdurer l'image. Je crois que quand Et ça, quand on rencontre quelqu'un comme ça, sans se faire un peu, accrocher, hameçonner par le rêve de « Ah, mais si moi aussi j'avais du sexe comme il a, ou du pouvoir comme il a, ou de l'argent comme il a, j'aurais ce bonheur. » Là, on a été hameçonné, tu vois. Soit vraiment on regarde la chose en profondeur, on voit, oui, la personne, elle est élue, elle a eu ça. Mais en fait, elle veut plus. Ou elle veut autre chose. Ou alors elle s'est lassée. Et là, ça prouve bien qu'elle n'est pas heureuse. Moi, je pense que, tu sais, c'est pas une question de la personne qui est heureuse ou pas heureuse. Il s'agit de soi. Il s'agit pas de la personne en face de soi. Chacun d'entre nous, on a tendance à aller voir à l'extérieur comment ça se passe. Bon, on n'a que ça. Oui, attends. On n'a que ça. C'est ce qu'on nous a dit qu'il faut regarder. Toute notre vie, on est programmé pour ça. C'est dans les mœurs. Tout le monde regarde à l'extérieur de soi. Et on voit à l'extérieur, on commence à juger par rapport à ce que moi, je ressens. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je ressens, moi? C'est quand je vois quelqu'un comme ça, j'ai déjà pris l'habitude de me dire que ce que je vois là, eh bien, c'est pas moi. Mais en fait, c'est toi. C'est l'image, la société et le reflet de ce que tu es. OK? Et quand tu regardes cette société-là, tu vas vouloir l'imiter parce que cette société-là te programme pour te dire « il faut que tu te conformes à ça ».
C'est-à-dire que tu vois ce que tu vois de dehors. C'est un peu ton reflet dans le miroir. Voilà. Et quand tu le regardes, il faut que tu t'y conformes. Oui, parce que c'est la société qui le veut. Alors, est-ce que je suis bien arrangé? Ça a l'air, tout a l'air normal, conforme. Voilà. Faut y aller. Donc, je peux sortir et puis les gens vont m'applaudir. D'accord. Donc, toi, la vision que tu développes, ce n'est pas là que ça se passe dehors. Oui. C'est là. Exactement. Comme là, c'est l'original du reflet qui se projette. Exactement. C'est là qu'il doit y avoir une sorte de transformation. Voilà, pour que ce qui le problème a, est là. Pour que ce qu'il y a dans le reflet ne me leurre plus. Voilà, exactement. Que son mensonge n'arrive plus à m'accrocher, à m'hameçonner. Voilà, parce que toi, tu y crois encore que ce que tu es, c'est ça. Ouais. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu désires. Et donc, tu es... Je veux un peu de pouvoir. Et si j'étais heureux comme lui ou et comme oui, elle. Voilà. Tu vois, si j'étais beau, fin, svelte, enfin, un truc qu'il a l'autre, et puis que si je l'avais, et puis tu vois, on te dit ça souvent, les gens, quelqu'un qui est malheureux, on lui dit, bah, va voir un tel. Tu seras plus heureux, va prendre, fais une formation, tu auras un nouveau travail et puis ça relancera la machine à rêver en fait. Mmh. Et au fond, on sent qu'il y a un mensonge là-dedans, mais toi tu dis un élément essentiel que ce mensonge n'est pas à voir dans le miroir, il n'est pas à régler dans le miroir, pas dans le reflet, mais dans l'original qui s'y reflète. Donc, c'est-à-dire, si je vois le politique qui est en train de mentir, c'est moi-même quelque part qui suis en train de me mentir en croyant en son pouvoir. Bien sûr. Si celui qui dit, ben moi j'ai un livre dans lequel il y a un secret, et dans ce secret il y a le secret du bonheur, etc., je le vois, mais en fait c'est moi-même qui suis en train de me mentir de le suivre. Oui, parce que tu le veux aussi. Tu veux être cela que tu as projeté, tout le monde entier projette ce que nous devrions être. Le monde entier projette tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est tellement difficile de sortir de cette illusion, parce que si en face de toi, tu as quelqu'un qui te dit « est-ce que tu es heureux ?» Et toi, tu te vois que non, tu n'es pas heureux en fait. Il répète, il dit « est-ce que tu es heureux ? Est-ce que tu es heureux comme moi, je suis heureux ?» Le problème, c'est que quand quelqu'un te dit qu'il est heureux, ou si tu te dis être heureux, c'est un mensonge. Parce que ça veut dire que tu es malheureux et tu as trouvé quelque chose qui te donne du bonheur. La vie, ce n'est pas quelque chose heureux ou pas heureux. La vie, c'est la vie, ce qu'il y a. Tu sois triste, ben c'est bon, c'est OK. Tu es malheureux, ben c'est OK. C'est la vie. Donc, ce que tu cherches, c'est de sortir de tout ça, de toute la monotonie. Mais si, tu n'as pas besoin de sortir de ça parce que tu es là et tu as regardé les faits. Tu ne veux rien, tu n'attends rien de qui que ce soit. Donc tu n'as pas besoin d'être transcendé de tout ça. Donc la question même, elle est erronée du coup. Bien sûr. C'est-à-dire le fait de dire, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es heureuse, c'est pas la bonne question pour vivre libre. Ben non, parce que être heureux, ça veut rien dire. Parce que les gens sont heureux parce qu'ils ont eu un confort personnel. Le heureux que nous connaissons, c'est parce qu'il t'est arrivé quelque chose à toi personnellement. Tu as une zone de confort. Mais cette entité qui se sent heureux, eh ben c'est quoi cette entité? C'est un formatage, c'est une illusion, c'est toute ton expérience. Tu as forgé un personnage, un caractère. Et ce personnage et ce caractère cherchent une zone de confort. Et quand il a trouvé une zone de confort, il dit « je suis heureux ». J'aimerais te poser une problématique dialectique sur là-dessus. Celui du maître et de l'esclave. On vit sur une île où il y a un temps, des gens ont fait la traite des esclaves pour pouvoir construire l'île de la Réunion, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le maître disait « je suis heureux parce qu'il y a une belle nature ». D'ailleurs, ça se voit dans les poésies. La nature est belle, etc. Mais qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'est-ce qui montre à l'enfant qui naît dans cette famille que ce bonheur est illusoire? Parce qu'il ne vit que ça, il ne vit que ce bonheur. Il n'y a rien qui le montre. De l'autre côté, il y a l'esclave. Et l'esclave a une vie dure. Il n'est pas heureux. C'est une vie besogneuse, il y a du travail, il se fait fouetter, il se fait humilier, ses enfants se font... sa femme se fait violer, etc. Et lui, il a envie de partir. Et certains partent, ils marronnent. Comme on dit ici, ils vont faire du haut marronnage et puis ils vont partir dans les hauts, dans des lieux escarpés et ils vont se réfugier. Et là, dit-on qu'ils vivaient heureux. Dit-on. Ouais.
Maintenant, bon, il y a le récit de ceux qui se sont libérés des maîtres qu'on dit qu'ils étaient plus heureux que ceux qui étaient esclaves. Il y a les maîtres qui se disaient eux-mêmes heureux parce que, ben, ayant trouvé quelques richesses à exploiter. Où est le bonheur là-dedans? C'est-à-dire, C'est un bonheur éphémère, Farzad, parce que. d'un côté et de l'autre, pour maître et esclave. Parce Est-ce que. qu'il y en a au moins un de bonheur qui est authentique là-dedans? Le bonheur, en fait, que tu veux, ne peut pas être authentique. Parce que ce que tu veux gagner, c'est le produit de ton désir. Tu comprends ça? Le produit de ton désir. Et un désir que tu fabriques n'a pas d'existence. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi nous les humains, on en est rendu à ça? Parce que justement, cette vie d'esclave, cette vie de tricheur, de ceux qui ont gagné le pouvoir et qui te disent à l'esclave de travailler, ok? Eh bien, tout ça se répète tout le temps parce que s'ils ne le font pas, ben, ils auront plus ce bonheur. Mais pour eux, ils n'ont pas triché. Pour eux, c'était leur droit. C'était l'époque qui disait que ben, on peut faire Oui, ça et ils le faisaient. mais justement, c'est parce que, tu vois, la vie s'est installée comme ça dans des mœurs. On s'est cru être tout pouvoir, que les choses devraient être comme ça. Et ça s'est répété. Et aujourd'hui, on le répète encore à nos enfants. Ben, va à l'école, tu auras une belle voiture, tu seras heureux. Mais tu ne sais pas que tu es en train de détruire l'Amazonie et qu'il y a des esclaves là-bas qui te servent. Tu veux dire par là que le discours qu'on a aujourd'hui, c'est comme si nous étions les esclavagistes d'autres gens Bien sûr. autour de la Bien planète. sûr, parce que c'est Et pas. de la nature aussi. Bien sûr, Sans le savoir. sans, c'est pas qu'on le sait pas, mais on ne veut pas le savoir. On dit tout simplement, moi je veux pas détruire la forêt, mais je veux être riche quand même. Ah. Tu comprends? Parce que tu te leurres derrière un truc que tu veux avoir, mais tu occultes les conséquences de tout ça. Tu vois? Et c'est ça notre problème, c'est que nous fermons les yeux de la réalité qui se joue vraiment à cause de nos actions. Nos actions de vouloir être heureux et de ne pas être malheureux. Aux deux cornes. D'un côté, là, je suis heureux, de l'autre, je suis pas heureux, et là, dingue, dingue, dingue. On a les deux cornes qui sont là et qui nous poussent d'un côté et de l'autre, on est un peu esclave de ça. C'est ça, on est Et esclave de ce qu'on aimerait. ce qu'on aimerait pour être heureux. Donc le maître était esclave alors, de ce qu'il Le aimerait, maître, de ce qu'il il est malheureux parce que il n'a pas toujours ce qu'il veut. Et quand il a ce qu'il veut, ben, il est heureux. Et ce heureux est la raison de son malheur. Donc, c'est la même racine. Le mécontentement et le contentement viennent de la même racine. Comment est-ce que ce qui fait son bonheur peut être la cause de son malheur? Parce que ça vient de la même chose. Parce que la cause est la même. La cause que quand tu as des esclaves qui sont obéissants, ben, tu es content. Mais si les esclaves ne sont pas obéissants, ben, tu es malheureux. Tu comprends? Donc il faut faire des choses. Tu es obligé de faire des choses pour perpétuer le même histoire. Faut manager, il faut un bon Voilà, il faut management. manager. Tu Faut gérer trouves le des gens truc. bac plus 5 pour venir pour te sauver. Gérer le truc, ouais, c'est clair. Qu'en est-il de l'esclave du coup? Lui, il a voulu. Ça semble légitime ce qu'il a voulu aujourd'hui, mais si on suit ce que tu dis, lui aussi, comme il a voulu avoir un bonheur à l'extérieur de ce qu'il était en train de vivre, C'est ça, parce que il va pas être heureux non plus. Donc il aurait fallu qu'il fasse quoi? Qu'il reste, qu'il en fait, souffre. il est dépendant du bonheur qu'on lui a proposé. Le bonheur, c'est que si tu travailles bien, tu bouges pas trop, ben on te donne 1500, et si tu es encore un petit peu plus gentil, ben on te donne 2000 euros par mois. Ouais. Et puis, tu sais, alors il faut que tu travailles bien, tu te raisonnes bien, tu te disciplines bien, tu obéisses bien aux règles et tout Il y ça a des pour. niveaux d'esclaves. Tu avais l'esclave qui travaillait dans les champs. Voilà. Tu avais l'esclave qui était dans la maison du maître, qui faisait le Exactement, mais ménage, c'est les mêmes etc. esclaves. Mais ils sont C'est. esclaves quand même. Ben bien, et Mais ça. celui qui part, celui qui s'en va, il s'en va de la maison du maître. Oui. Il dit, moi je vais dans les hauts, moi je veux plus rien avoir à faire avec tout ça. Est-ce que lui, à un moment donné, il accède à une forme de bonheur ou pas? Ben, actuellement, il va accéder à une certaine pouvoir de faire ce qu'il aimerait, mais pas au bonheur. Pas à la liberté. La liberté, ce n'est quand tu ne veux plus rien. Tu n'as plus besoin de monter, ni descendre, ni aller dans les hauts, ou rester avec dans la maison du maître, ou pas. C'est quand tu ne veux plus rien. Quand tu Et restes où tu es et que tu ne veux plus rien. bien sûr, parce qu'à ce moment-là, tu es libre
de tout ce qu'on peut te proposer. Il y aurait donc une transformation au-delà de la fuite et de la servitude qui serait d'abandonner tout ce que l'on veut. Exactement. Le maître, qui se dit maître, pourrait abandonner tout ce qu'il veut. L'esclave pourrait abandonner tout ce qu'il veut, ses rêves de liberté. Tous, mais pas pourraient abandonner, tous doivent abandonner. Tôt ou tard. C'est leur devoir. À la tombe. Ils vont abandonner, qu'ils le veuillent ou non. Qu'ils le veuillent ou non, à la tombe. Mais non, moi je dis, s'il arrive que tu veuilles faire en sorte que tu abandonnes ça avant que la tombe arrive, avant que la mort arrive, alors tu auras la chance de vivre dans une planète, sur une planète de beauté et de lumière, et tu n'étais pas aveugle. Parce que c'est que l'aveugle qui passe à travers l'existence sans rien voir. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On passe à travers la planète sans rien voir, sans rien savoir qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la joie, qu'est-ce que c'est l'émerveillement face à la beauté de la vie. Bah oui, Guy, on était tous occupés à dire qu'est-ce que c'est la voiture, qu'est-ce que c'est le matelas, qu'est-ce que c'est la maison, qu'est-ce que c'est ceci, qu'est-ce que c'est cela. On était prisonniers de tout ça, tellement on était prisonniers, on n'a plus vu les beautés. C'est ça. Et c'est la beauté qui nous sauve. Parce que quand tu as vu la beauté, une fois que tu as vu la beauté, tu sais que tout ça, c'est essentiel. C'est la beauté qui est essentielle. C'est la beauté qui va nous donner la liberté. C'est la beauté qui va nous donner la joie de vivre ensemble. Parce que quand la beauté existe, tu t'aperçois en fait que cette beauté, elle n'est pas à l'extérieur de toi. Elle est chacun d'entre nous à cette beauté. Et quand tu laisses l'autre exprimer, quand l'autre s'exprime avec toute sa sincérité, c'est de ça qu'il parle. Mais quand il ne parle pas de ça, c'est parce qu'il est omnibulé par ce qu'il veut. Donc, il n'y a plus rien qui émane de soi. Mais la beauté, c'est quelque chose qui est là quand tu es libre. Quand tu es libre d'être ce que tu es, mais pas ce que tu aimerais être. Donc, nous avons parlé, on a commencé par ce sujet-là de la soumission des femmes, des concepts de vie qui font nos quêtes. Pour en arriver à ce sujet-là de maître et esclave, où on est enchaîné, et enfin d'arriver plus en profondeur, de voir que nous pouvons abandonner tout ce que l'on veut, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on attend, dans la situation même dans laquelle nous sommes. Qu'on soit salarié, entrepreneur, qu'on soit maître ou esclave, qu'on soit femme dans une secte au bout du monde, ou je ne sais pas où, dans un lieu reculé, desquels on abuse. L'idée, c'est d'abandonner tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on abandonne, il y a une transformation qui se produit, comme si on mourait à soi avant de mourir à la tombe. Au besoin que l'on a de se faire valoir. On mourait à ce besoin de se faire valoir auprès des autres. Ça veut dire que tu n'es plus rien à ce moment-là. Et à ce moment-là, mais comment ça se passe? Parce que quelqu'un qui se transforme comme ça, admettons, il se transforme au milieu de cet enfer. Ben, il est pas reconnu, il est rejeté, il est oublié. Dans ce monde, en tout cas, personne ne... Tu sais, les gens les plus simples, les plus grands, qui aiment le plus, ce sont les gens qui ne sont pas reconnus. Au moins, il est mis hors jeu. Ils ne sont pas dans le circuit touristique. Ouais. Tu sais, on fait du tourisme dans la société, tu vois. On nous arrête là, c'est l'école. Alors voilà comment ça fonctionne. Donc, là, c'est l'entreprise. Ça, c'est monsieur Intel. Alors, l'entreprise, c'est un truc. Oui, monsieur, attention. Et puis il y a monsieur PDG. Oui. Comme on est musée, tu sais, ouais. Voilà. Et en fait, tu vois, il y a. Donc y a... on fait plus partie du tour, quoi. Non, on fait plus partie du tour, ça. On n'est plus reconnu. Et quel soulagement. Parce qu'en fait, tu n'as plus besoin de rien faire pour exister au regard des autres. Et ça, c'est la chose la plus... Ce qui te salit le plus, c'est de vivre par rapport au regard des autres. Parce que tu es prêt à vendre ta liberté pour que les gens t'acceptent, te reconnaissent. Donc, tous, chacun d'entre nous, on est dans ce leurre que... Il nous faut réussir, il nous faut gagner quelque chose. Et alors, quand tu n'as plus rien, quand tu n'es plus en train de réussir,
ben, tu es en train de vivre. Tu n'es plus en train de faire des choses qui vont créer le chaos autour de toi, créer l'esclave, créer le riche. Tu n'es plus en train d'alimenter le moulin de la scène de la vie qui fait que tout ça existe. Le riche, le pauvre, le maigre, le gras, Miss Réunion, Miss Paris Réunion. Les tout vols s'évanouissent de même, les viols, les sectes, toutes ces injustices s'évanouissent de même. S'évanouissent, tout simplement, parce qu'il n'y a plus personne qui y croit. Mais il ne s'agit pas de vouloir que tout le monde soit comme ça, mais de l'exiger pour soi d'abord. C'est bien ça. Ouais. L'exiger pour soi, je dirais, ce serait qui exigerait. Moi, je crois que tu n'as pas besoin d'exiger, ce que tu es est déjà là. Donc, d'exiger, par contre, que ce que tu n'es pas disparaître. Mais tu ne peux pas exiger d'être ce que tu es déjà ça. Tu vois, par contre, tu peux exiger que tout ce qui t'empêche d'être toi-même, tu arrêtes de jouer avec. Tu vois. Chers amis, à quand arrêterons-nous de jouer? À quand arrêterez-vous de jouer? Peut-être vous avez encore quelques intérêts, quelques attraits pour ce monde. Peut-être que vous êtes sur le chemin de vous en lasser, quoi qu'il en soit. Il est possible que nous voyons bien plus d'une aventure avant que nous puissions tout lâcher. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.